Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Fon dire que gagné madame Marie-Étienne Martine Moïse. Marie-Étienne Martine Moïse, madame chef ancien président d'Haïti, hein, Jovenel Moïse, lui-même qui était gagné là, rendez-vous pour te présenter l'empaquet Port-au-Prince le 20 septembre 2021 à Cabinet. Martine Moïse, la lettre adressée jeudi 16 septembre, là, il voyait par juge Dary Aurélien pour demander pour reporter quatre auditions là. Là, pas qu'à votre, et là, cabinet d'instruction. Puisque le fait qu'on est le 20 septembre, c'est une date que l'ancien président Jovenel Moïse était baptisé le jour de Dessalines. Donc, il dit que c'est après un jour férié, là, c'est une date officielle, c'est une date, c'est un jour que c'est chômage, là, bien. Donc, avocat Martine Moïse, il demande au juge là, il y a une nouvelle date qui t'a de préférence le 6 octobre 2021. Donc, avocat, il fait qu'on est tout que Martine Moïse, trouver le terre étrangère pour les soins post-opératoires et des séances de thérapie. Donc, madame, non, pas capable de répondre en gros avec le cabinet d'instruction pour le 20 septembre. Non. Donc, il m'a dit qu'on renvoie au 6 octobre, cabinet. Alors, Gatsa, c'est si madame va aller. Puisque Martine Moïse nous connaît déjà, eh bien, lui-même, l'idée. Et on tue genre, courir mettre dehors, quitter pays à bien vite. Courir descendre, aller régler, faire funérailles, il mettait dehors encore. Donc, la justice pas bien entendu. Donc, c'est ça que l'avocat lui a confirmé et que lui-même l'a retourné pour la répondre question, cabinet d'instruction, juge Dary Aurélien, la date du 6 octobre, cabinet là. Et, fond de tout, que même semaine ça, Martine Moïse a accordé une interview à Canal Disque. Canal Disque, c'est une chaîne de télévision affiliée à ABC News, le Miami. Marie-Étienne Martine Moïse affirmait que l'interview ça, il te prend en 7 à 8 projectiles, ou bien en 7 à 8 balles, pendant l'attaque 7 juillet à la résidence li, dans le Pélérinsec. Donc, pour un peu l'observateur, il m'a demandé est-ce que ces balles déjà coûtent? Ou bien balle système même, ou bien balle caoutchouc, ou bien feu d'artifice qui t'a tiré, qui t'a lancé en même là. Puisque le matin, on parlait de 7 à 8 balles, et nous voyons comment que Marie-Étienne, Martine Moïse, moins de 2 semaines, eh bien, après événement, ça rentre en Haïti pour aller régler les affaires funéraires de Jovenel Moïse, nous voyons que l'Elphine descend avion bien John, et les Kembe là, eh bien, premier ministre, de facto que là à l'époque la Claude Joseph, nous elle était bien teke conne avec Claude Joseph, avec un gros lamé exilé dans toi. Donc, après nous demandé 7 à 8 balles que Martine Moïse dit dans l'interview Libachan Canalis là, est-ce que c'est 8 balles caoutchouc, ou bien feu d'artifice qui t'est tiré, ou bien balle jacout, ou bien balle système maintenant? Puisque nous connaissons le premier temps, on a parlé de 3 balles. Et l'autre jour là, dans l'interview, ça, madame a parlé de 7 à 8 balles que nous recevons. Donc, en tout cas, et nous trouvons que question qu'a posé, est-ce que Martine Moïse, il même peut-être là, t'as fait une enfant net. Donc, pour un peu de monde, je pensais que, eh bien, madame là, il a parlé parole que il pas connaît. Donc, c'est quoi la question lui-même liée. Donc, madame là, et Tabou Jean Doulatou, il est maintenu que les candidats, l'an prochaine élection, ils ne peuvent pas. Donc, madame là, comment c'est campagne avant le grand day pour Maril. Donc, campagne là, qui a fait là, sur campagne qui a fait sur CNN, sur New York Times, Washington Post, Action Télévision, Canal 10, WPLG, l'an Miami. Et puis, ils ont pris la campagne, ancien dilapidateur, Fonds Petro-Caribéo, qui est entré la marche ça, le festival ça, festival Martine Moïse Balfaire, à une série de oligarques corrompus, hein,
Donc, mettez action série de mercenaires, journalistes corrompus, qui besoin de reprendre le pouvoir encore. Naturellement, nous connaissons que M. Sarreux, même, était parlé déjà que prend pouvoir 50 ans. Madame, là, toujours, la même interview, Libaye et Canal 10, affilié, et Bichi nous là, il dit tout que, eh ben, bon côté écrasé, un bakou de zam, l'air que, eh ben, bandit, il a tiré sous lui. Donc, ça me rend là. Martine Moïse, il reconfirmé, et dans chaque interview, Madame Nabaye, il vient avec un élément nouveau, il dit que, il te prend un 7 à 8 balles. Et nous disons que la question qui est maintenue, je ne veux dire la fin, on a demandé, est-ce que c'est un balle de jacoute ou bien balle système Bell, ou bien balle caoutchouc, ou bien feu d'artifice, que madame Geller, il a tendu à tirer beaucoup de l'île. Donc, et t'as vu, là, et nous signalons tout que Martin Moïse a pris 8 balles, l'entrée de son avion, hein, pour organiser funérailles Jovenel Moïse, et bien, calter gros coup de la main grande Brigitte, qui était baillé Claude Joseph là, et mon cher, ça t'a déjà donné exactement. Est-ce que madame son femme John Millet ou bien est-ce que madame son monde qui a un col qui est paralysé? En tout cas, c'est comme ça la question lui-même lié. De l'autre côté, Fancy a les pour vous que les anciens ex-collaborateurs de Jovenel Moïse, ils ont lancé là, ils ont lancé le parti politique, ils ont lancé le rassemblement des journalistes pour la démocratie. Donc, je vais vous dire là, d'accord, je vous dis, M. Sayo, c'est question d'affaires à régler, c'est l'argent à gérer. Jovenel Moïse, je vais vous dire là, un outil politique, ou bien un bouclier pour certains de ses conseillers et subalternes qui t'avaient prendre tout pouvoir pour eux, ou bien utiliser comme un levier pour permettre de rebondir sous scène politique là. C'est pas ni de ni trop bagaille. Sénégal fait là, sous la démocratie, avec le régime corrompu de Jovenel Moïse là, mais peuple haïtien vient 10 fois plus pauvre qu'avant septembre 2017. Il y a certains mouvements saillants de Courinal Libéris, Claude Joseph, la Rome d'Orville, Manfred Nsayo visait également pour travailler pour la pérennisation des idées de Jovenel. Où rejoint tout, on l'autre clic, un fonctionnaire, ou bien ancien collaborateur Jovenel Moïse, d'un coup Charles Jacquelin, Esther Antoine, Guichard Doré, Mackenson Kangé, Magali Habitant, Marie-Juscelaine Montpremier, et nous avons parlé autour de Fête Lacroix, Pierre-José Agenor Cadet, Ronald Demézard, Ronny Charles, Gérard Desselmont, et puis Patrick Crispin. Les hommes forts du régime de Jovenel Moïse, ils ont créé un courant d'idées qui baptisait le jovenelisme, qui a pour mission justice pour Jovenel Moïse et la pérennisation de ses idées et autres. Donc, c'est comme ça là, monsieur Abdafa, pour être capable de toujours exister. Parce que nous, il y aurait qu'avec Ariel Henry, il a perdu le sac microbe et il parle de toutes les caractéristiques intrinsèques du jovenelisme. Qui c'est le patriotisme, la dignité, l'honneur, la conviction, la loyauté et l'esprit d'initiative. Je pense que caractéristique ça, eh bien, monsieur déjà moi lui l'avait, puisque Jovenel peut-être parle de vivant, eh bien, il fait la prône ça. Il parle de nature, on voulait faire comprendre que Jovenel Moïse était sorti de la paysannerie, il les a fait que assassiner parce que il était des valeurs et des principes cardinaux. En tout cas, faut dire que Haïti c'est un vidéo game qui est l'annexe sous pouvoir opposition a manifesté bloqué pays là les opposants ont entré dans le pouvoir, il a fonctionné aux anges. Nèg quitté le pouvoir et regroupé yo et ben yo passé à l'opposition. Donc nous voyons tout que gen Guichard Doré yo ancien conseiller Jovenel Moïse dans un tweet qui fait connaître que le journalisme c'est la prise de conscience de la nécessité de conjuguer les forces de l'esprit pour élever l'homme haïtien à la dimension de son être, tout en le plaçant au cœur de l'action politique. Je vais vous dire, il y a bon, toute belle pensée qu'il a gagné, tout bon bagage qu'il a dit, mais les Jovenel Moïse de président,
eh bien, tout eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui sont responsables de toute faux pas, toute erreur, erreur capitale que Jovenel Moïse fait. Équipe M. Sahar qui soi-disant dit que c'est eux-mêmes qui te conseillent Jovenel Moïse, de dire ouais, eh bien, pour Jovenel Moïse aller plus loin, mais eux-mêmes, il y a une mauvaise consultation, eh bien, ils font Jovenel Moïse faire fausse route jusqu'à ce qu'il arrive à perdre la ville. Et je voulais me dire, ah, malgré que pour un pile monde qui reconnaît que le régime Ariel Henry a il pas de légitimité. Mais toute bataille qu'a fait là, côté que eh ben, PHTK éclate dans vos grands avocats, journalisme a gommé avec Ariel Henry, le PHTKiste, il même y a gommé avec Ariel Henry. Mais raison que tout bagage ça. Premièrement, pendant tout que gagné ça que monsieur Jovenel Issue Yovle Blayi, c'est ça nous relo intoxication tête calée. Intoxication tête calée, ou jeune journaliste PHT Kissio, c'est eux-mêmes qui ont fait campagne ça. Et tout ce qu'on a fait là, attaquer le premier ministre, ou bien dire une série de bagailles, c'est manœuvre diversion pour capable s'y mettre confusion. Ariel Henry, il a déjà remarqué que Ariel Henry n'a pas accepté pour faire continuité pour 5 ans avec eux. Ariel Henry tout pas accepté pour faire élection avec KEP Zinglé et Jovenel Moïse de Mété Campéa. Quand Jovenel Issue, il a besoin d'affaiblir Ariel Henry. Il a compris route Ariel Henry prend le lien accepté s'il y a un accord politique avec l'ancienne opposition, notamment avec le SDP, le secteur démocratique et populaire. Avec la force de frappe du gang matéliste contre le gang journaliste, papa a parlé de chat là, à la fin de que je ne vous dis là, eh bien, il y a un pile commentaire qui a fait. Il y a un monde qui dit que papa a parlé de chat là, manger et au fait d'assaut grillé à chat là. Et puis, c'est nek qui remet tete bouteille avec nek qui bresson yé yo, qui a accusé. Donc, en pile, vous l'apprenez pour aider à comprendre ce qui a passé là, l'enjouet là. Côté que papa, avec parrain chat là, il a mangé et il a fait tasse grillé à chat là. Et puis, c'est nek qui remet tete bouteille. C'est-à-dire que nek qui remet gagari bouteille avec bresson yé yo, qui a accusé. Donc, mes amis, il faut que tout le monde aide, tout le monde comprenne, eh bien, petit proverbe ça, ça l'est dit. De l'autre côté, le premier ministre, et de facto, Ariel Henry, nous connaissons qu'il y a un pile de difficultés, j'ai aussi avec le petit groupe gang Jovenel Issue. Donc, fin de tout que le premier ministre, eh bien, selon divers hommes de loi, nous dit que, eh bien, le premier ministre, il est relevé de la haute cour de justice. Cabinet d'instruction pas capable de tendre ni questionner. Pays n'a pas qu'un président qui a dirigé. C'est vrai, c'est seulement un chef d'État qui était capable de libérer le premier ministre gouvernement de facto pour la répondre à la question de la justice. Il a fait tout, on connaît que c'est un acte d'instruction qui trouvait acte d'instruction et d'instruction qui trouvait la main juge d'instruction qui prend responsabilité pour faire dossier avancer. Tout ça qu'a fait doit passer par magistrat instructeur là en charge dossier. Dès qu'un dossier transféré dans le cabinet d'instruction, le commissaire gouvernement l'y dessaisit. Si le juge d'instruction trouve que le travail commissaire gouvernement inachevé, il doit demander au commissaire gouvernement pour le compléter dossier. Le juge d'instruction doit envoyer un réquisitoire supplétif s'il pensait que le dossier n'est pas complet. Le CPJ, le cas Jovenel Moïse a déjà élaboré un rapport détaillé qui a toute information là-dedans. À moins que le commissaire gouvernement Bedford Claude, eh bien, il n'a pas pris le rapport pour le dire ça là-dedans. Le rapport de CPJ est déjà fait état de questions, appels qui étaient faits le jour 7 juillet entre Kofi Badjo et le Premier ministre Ariel Henry. Donc, pas de flagrance dans le point ça. Donc, relevé appel téléphonique Ariel Badjo passe un élément nouveau. Donc, quand le juge d'instruction est saisi, le commissaire du gouvernement est dessaisi. Donc, il ne peut pas poser d'acte d'investigation dans un dossier pareil. Donc, c'est ça, je ne vous dis pas, c'est là, ça n'a plus. Côté que, vous gagnez un grand combat, c'est la bande des Jovenéliens
contre la bande d'Ariel Henry, la bande des Jovenéliens contre les bandes illégales, côté que, après ça, PHTK a marché sous PHTK. Les Jovenélistes, l'opposition dos à dos avec Ariel Henry, les bandes illégales, ils ont mis l'opposition dos à dos avec Ariel Henry. Mais il faut être capable de tout que le camp Jovenéliste là, qui barrait en quoi Ariel Henry ou Jean-Renal Libéris, Richard Doré, Stanley Lucas, Bedford Claude, Adolphe Zéphirin, Claude Joseph, avec Rock Philippe Vincent. Et nous capables de tout que nous jouons le même camp, ça, tout le camp Jovenéliste là, nous jouons le protecteur du citoyen. Le protecteur citoyen, semble lui-même li alien li le camp M. Jovenéliste. Faut y aller en même temps que il y a article 90 code pénal haïtien qui dit que seront punis de la destitution tout officier de police judiciaire, tout officier du ministère public, tout juge qui aura provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d'un grand fonctionnaire sans l'autorisation du chef de l'État, soit d'un membre du corps législatif contre les dispositions de la Constitution ou qui, hors les cas de flagrant délit ou clameur publique, auront, sans la dite autorisation ou contre les dites dispositions, donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs grands fonctionnaires ou membres du corps législatif. Donc, c'est ça, article 90, code pénal haïtien, lui-même, lui fait connaître. Donc, selon plusieurs hommes de loi, nous avons cité par exemple Maître Camille Edouard Junior, qui était ancien ministre de justice sous le gouvernement Jocelyn Brivère. Eh bien, il dit tout que Maître Bedford Claude était envoyé au juge d'instructeur Gary Aurélien le lundi 13 septembre d'un réquisitoire suppressif pour le mandat pour auditionner le Premier ministre Ariel Henry, suspecté d'avoir des entretiens téléphoniques avec l'un des présumés criminels, Joseph Félix Badiou. Le chef du parquet a commis un excès de pouvoir, car il n'y a pas de nouveaux faits dans le dossier. Le juge d'instruction instruit sur les faits et non sur les personnes. C'est après la communication d'une ordonnance d'un juge instructeur qu'un commissaire du gouvernement peut prendre un réquisitoire supplétif pour demander au juge d'instruction d'approfondir des points non élucidés ou de travailler sur d'autres éléments. La DCPJ a déjà élaboré un rapport détaillé contenant toutes ces informations et il n'y a pas de nécessité pour communiquer un réquisitoire déformé. Donc, ce serait étonnant d'apprendre que le commissaire du gouvernement n'avait pas lu le rapport de la DCPJ afin de considérer toutes les informations lors de la rédaction de son réquisitoire déformé. Donc, dossier A, c'est l'allié je ne veux dire là. Naturellement, il y a un pile monde qui dit carrément Ariel Henry à aucun moment pas doué la question de contact ou bien de parler dans le téléphone avec Koupé Badiou. Donc, le Premier ministre lui-même, il mettait une note dehors pour l'expliquer exactement, pour lui retirer tout ce qu'il gagnait sous question de l'affaire qu'il a parolé, qui était gagné avec Koupé Badiou le jour qui était 7 juillet 2021. On a fait tourner sous ça pour Otijan parler comme ça, mais un peu de temps. D'après tout que gagné journal le New York Times, dans le New York Times qui a rapporté que tu gagné une tête raide entre ancien président Jovenel Moïse et Michel Martelly suite Mickey. Selon le journal américain New York Times, Michel Martelly t'a fait menace à pression sur Jovenel Moïse pour te faire changement le gouvernement pour que ça nous relève un remaniement ministériel à forcer Jovenel Moïse à Ariel Henry comme premier ministre et puis changer quelques ministres dans le gouvernement. Tant que ministre de justice là, ministre finance, à remplacer commissaire gouverneur Vaudreau-Prince. New York Times dit clair, le choix d'Ariel Henry a été imposé par suite Mickey. C'est ça, New York Times fait connaître. En l'autre côté, pendant tout que gagne un bureau pour le ministre de facto Ariel Henry, qui qualifiait d'insinuations graves et sans fondement les tentatives visant à lier Ariel Henry à l'assassinat de Jovenel Moïse. Le jour du 7 juillet, le Premier ministre a reçu d'innombrables appels de toutes sortes
de personnes qui, en apprenant la terrible nouvelle, s'inquiétaient pour sa sécurité personnelle. Il faut se rappeler qu'il venait d'être nommé Premier ministre et qu'après un acte d'une telle gravité, nombreux sont ceux qui, naturellement, qui voulaient s'enquérir de sa situation et des dispositions prises pour garantir son intégrité physique. Le Premier ministre a précisé que, sans que personne par référé au relevé téléphonique, de préciser les noms de tous ceux qui l'ont appelé, voir la nature de leur conversation, d'autant plus, il n'est pas arrivé pour tout appel monde qui t'a appelé, ni communiqué privatif là, pas démenti que deux confrères ont été parlé au téléphone, selon ça que le bureau Premier ministre fait connaître dans notre diodité de l'Europe. De l'autre côté, pour en profiter de signaler pour vous, pour que gagner un ancien secrétaire général du Conseil des ministres, Rinald Liberis, qui même démantelé PHTK. Il dit que tout le monde qui n'a pas gagné un comportement pour demander justice pour Jovenel Moïse, eh bien, ils prennent distanciation à Kounzaïo. Donc, Rinald Liberis déjà dit que tout le monde allait sortir, la PHTK. Pendant, il dit tout que PHTK, c'était mettre couteau en bas gauche du président Jovenel, et on te prend entre 70 à 90% poste dans le gouvernement. Tes paroles de cette bouche, Rinald Liberis. Liberis confirme tout que PHTK, il y a seulement deux membres dans le structure dirigeant, qui c'est Christine Coupette avec Lini Balthazar. Liberis dit tout que PHTK n'a jamais organisé aucune réunion de membres. Allez voir que si l'exercice de Chita entre plusieurs groupes, eh bien, pour organiser quelques gros réunions sérieuses pour avenir parti politique les PHTK. Donc, selon Jean, eh bien, Liberis parlait, eh bien, il tout dit tout le monde que, eh bien, il est PHTK, tout enterré, tout mouru, selon Jean qu'elle parlait, que lui-même, il s'en connaît carrément, mais lui-même, il est membre PHTK. Mon information, avant de rentrer dans l'autre point fort actualité, hein, petite réflexion, et n'a pas dit tout pour, eh bien, pour demander pour tout le monde lever campé. Pour pas serrer justice dans la poche. On a demandé justice pour les Parisiens, que Piaget, dilapidateur PHTK, qui a craminé l'économie pays pendant 8 années, qui a maspiné les Parisiens pendant 8 années, qui a tout pisé la justice à toute institution qui est dans le pays, qui a assassiné la constitution pays. PHTK, je ne veux pas dire même que son acteur curieux, le déblocage crise qui est dans le pays, mais il contribue tout pour sortir, il va contribuer tout pour sortir le pays à l'impasse que l'IA. Tout le monde doit l'ouvrir très grand pour faire échec à tout plan macabre, antidémocratique, anti-peuple, qui veut miroiter la dictature pour capable blâmer le chaos et pour capable arrêter cette d'appuyer sous pouvoir après Yoseyo. Le pays a besoin de solutions rationnelles. Ak problème structurel yo. Flatteur pour voir PHTK, yo vle comprendre que le président de Fayan te gagne yon rêve. Nous-mêmes, nous avons dit encore, si le président Jovenel Moïse te gagne un rêve, c'est la longue vue qui t'a gardé le peuple haïtien. Et si te gagne une vision, eh bien, vision te gagne pour te prendre, et pour te prendre tout pour lui, à instaurer une dictature dans le pays, à l'idée pour le pays d'Haïti. C'était ouais tout pays ça occupé à gang G9 famille alliée. Monsieur Moïse t'a fait des affaires là, pays a pas ni administré ni géré. La démocratie était en danger et monsieur Moïse t'a fait des affaires de préférence, c'était ça nous relé laisser grainer en JPP. Quand Jovenel Moïse là pas attaquer la corruption, il pas attaquer rien l'autre et lui vassaliser les institutions. Il pas combattre l'impunité dans le pays, il politise la PNH. Mauvais anguille, l'ami Kouo cherche tout moyen pour comparer Jovenel Moïse avec un prêt de Jacques Dessalines, n'a pas dit correction. Un prêt de Dessalines, pas un réactionnaire, ni reste avec M. Blanc. Un prêt de Dessalines, pas un promoteur gang à kidnapper Genève. Un prêt de Dessalines, pas un favori monté, fait promesse, belle parole à un pile mensonge. Un prêt de Dessalines, pas fonctionner avec oligarques corrompus. Et c'est ça qui montre que compère de Saline de Campé, et bien, qui fait que le pays est capable de bénéficier de l'indépendance que nous avons gagnée, son indépendance que nous payons très cher pour nous, pour nous être capables de gagner. Et je veux dire là,
pour nous capables de vivre un petit genre plus libre. Donc, à côté de tout le bagage ça autour, quand nous tout que gagner là des difficultés du côté de Washington, selon l'information qui est disponible, t'as semblé que l'ambassadeur Bullshit Edmond, représentant Haïti dans Washington, t'as semblé qu'il était en collision avec le directeur général des affaires étrangères, Sam Beausoleil. Nous parlons côté que M. Bullshit nommé en octobre 2020, et donc la tête ambassade là à Washington, il essaie de composer avec les adversaires de Matéli comme Laurent Lamotte, aussi de l'autre monde. Il fait connaître tout que Bullshit est un homme qui est très ambitieux, il a une position politique et il cherche à faire famille à tout le monde. Il n'y a pas qu'on est comme un vent capable de virer. Il était recruté par l'équipe d'Avalasla à la frontière haïtienne et dominicaine. Il était prêt pour être capable de poursuivre politiquement et une longue vie dans la carrière. Il avait nommé Kouyela Gandhi Thomas comme représentant permanent à Haïti d'Haïti auprès de l'OEA. Et depuis le départ de Léon Charles, Bullshit, lui-même, était ambassadeur intérimaire à l'OEA. Il y a un politicien véreux, cynique, et donc, il n'y a pas d'état d'âme, mais il connaît tout que jour lui a compté. Pour faire le scandale de passeport qui a parlé de lui qui éclatait dans le consulat d'Haïti à New York, qui impliquait la sœur de Bullshit Edmond, donc Bettina Edmond. L'ULCC, car semblait que le four est bouché en cause, selon l'information qui est disponible, il semblait que ni chancelier et ambassadeur Bullshit, à tout celui qui a pu répondre question sur question scandale passeport ça devant ULCC dans le pays d'Haïti, soit dans les prochains jours qui viennent. Donc, il y a l'autre monde tout qui a semblé faire route crochée avec une affaire de 14 passeports, selon ce que rapporté, on s'appelle Emmanuel Contant. Donc, on a suivi dossier ça, dossier ambassadeur d'Haïti dans Washington. Là. Et puis, au moment opportun, nous avons plus d'informations sur lui. On a tourné pour être capable de porter le reste des informations. Je pense que le Premier ministre, il ne faut pas. Monsieur Ariel Henry, au lieu qu'il ait été révoqué, et comme ce monde qui était conseillé de révoquer M. Belfort, avec M. Rockefeller Vincent, ensuite tout secrétaire général là, qui voulait notre prestation, il n'est pas sorti, M. Libéris qui est arrivé par démission, eh bien, je pensais que nous ne savons pas conseiller, on était au mauvais conseil. Si M. était à la hauteur, c'est pour que passer même Jean Lapin pour notre public pour que ça va suivre l'aller devant le commissaire gouvernement, M. Belfort. Pour qu'elle réponde, elle a dit monsieur, je connais que la loi, parce que je ne suis pas un président, je ne peux pas aller, mais dans le cas d'une investigation criminelle, il n'y a pas d'affaire d'exemption. Monsieur Ariel Henry n'a pas pensé l'exemple d'une investigation criminelle. Ça veut dire que, où il y a là, monsieur Ariel Henry tue au monde, mais il a soupçonné le crime. Et puis, il n'y a pas voulu paraître devant l'autorité judiciaire pour être capable de répondre ça, de ça qu'on connaît. Et ensuite, nous avons dit que l'on interview M. Libéris Bay, il dit qu'après le crime, Joseph Badjo, Félix Joseph Badjo, il a rencontré avec le Premier ministre dans l'hôtel Montana, alors qu'il n'y a pas de commentaire. M. Ariel Henry, à cette époque, il n'y a pas de commentaire. Maintenant, son bagage est simple. Premièrement, nous trouvons dans Scoop FM, Premier ministre de Santé, qui a dit que il n'y a pas connu Badjo très bien, et il n'y a pas jamais parlé avec Badjo. Il a dit que ensuite, il a pris défense et criminel Badjo, assassin qui a cherché jusqu'à présent. Il s'est lui-même qui clé dans l'assassinat de l'ancien président qui a fait M. Jovenel Moïse. Eh bien, nous voyons que Premier ministre, Léon Mounfin Fonkrim, monsieur, il a caché, il est allé à Yélandi, dans l'autre. Pendant que monsieur était encore sous les liens du crime, il est allé à Yélandi, eh bien, là, qui était Montana. Qui vient faire à Yélandi, c'est Montana, il n'est pas la Cali. Deuxièmement, pour qu'il soit allé à cette époque, est-ce que c'est dans l'hôtel Montana que monsieur Ariel Henry habitait?
qui fait que jour soir, il est arrivé, pas qu'il était dormi la Cali, pour que c'est dans l'hôtel Montana, la Cali. Tout ça, c'est une question pour monsieur ta répondre. Deuxième bagaille, vous faites connaître que plusieurs monde qui a pris l'eau, ou pas qu'à connaître qui est son qui a pris l'eau. Comment faire même mon arrivé l'eau une première fois, ou parler avec elle pendant 3 minutes, et deuxième mon arrivé l'eau une deuxième fois, ou parler avec elle pendant 4 minutes. Donc, ce qui s'en vient, donc nous pouvons que une contre l'autre. Ensuite, monsieur Libéris, est-ce qu'il a dit la vérité? Il a annoncé que M. Badjo a rencontré dans l'hôtel Montana avec M. Ariel Henry. Dans l'hôtel, son mari est facile. Il a souhaité sa mabdia pour ne pas courir à chercher pour le détruire. Parce que moi, je n'ai pas aucun journaliste en Haïti qui fait analyser ça. L'air que M. Libéris a déclaré que M. Ariel Henry a rencontré avec M. Félix Badjo. Il a rencontré avec Ariel dans l'hôtel Montana. Est-ce que M. Libéris, qui même tout, pas mettre dans le couloir pour poser des questions? Qui est-ce qui fait comme ça et comment comme ça? Parce que nous connaissons deux, il y a une façon très spécifique que le monde a dit que si on est rencontré avec un autre dans l'hôtel, parce que dans toute chaîne d'hôtel, gagné une salle de sécurité qui est vidéo caméra. Vidéo caméra, ça, si vous n'avez pas de tuiles, il est fait pour montrer que si Félix Badjo est venu dans l'hôtel là, parce que l'eau a rentré, il est dans la cour d'hôtel là, il paquet, et bien il y a pour l'hôtel machinou. L'eau a rentré dans l'hôtel là, il machinou. L'eau arrive devant réception hôtel là, il faut qu'on ait dit ou vient côté tel, à moins que Félix Badjo a loué une chambre dans l'hôtel là tout. Donc, au début de la rentrée, il sortit à Cléry et puis la rentrée, malgré tout, il a sorti Ronaldo qui était clé hôtel là, il a rentré pour longer le barreau. Donc, on ne peut pas sortir à clé hôtel là. Donc, c'est deux points très importants. Côté caméra, vidéo caméra, qui était à montrer qui monde qui a visité M. Ariel Henry à cette époque, nous avons dit le 7 juillet, puisque le 7 juillet, il va de l'année du 6 au 7 encore. Si vous voulez dire l'année du 6 au 7, tout le monde qui a rentré dans l'hôtel là, il est rentré avec M. Ariel Henry. Et si M. Badjo réellement rentré dans l'hôtel là, eh bien, il est supposé tout hôtel, l'hôtel Camp Mandana, son gros hôtel, il supposait qu'il y ait une chambre de sécurité qui pourrait enregistrer toute entrée et sortie qu'il a fait dans l'hôtel là pour protection, sécurité, et bien, non seulement employé, mais le monde n'a pas vivre dans l'hôtel là. Donc, ça veut dire que, invité qui venait dans l'hôtel là, ou bien, monde qui vient de chambre dans l'hôtel là. Donc, question à poser, on y a. Est-ce que Badjo encore vivant? Parce qu'il y a un bruit qui a couru. Je ne dis pas vivant. Je suis capable de mettre dame. Je dis son équipe très intelligent. Je suis capable de mettre dame pour le faire croire que il est tatoué. Est-ce que si vous trouvez lui, il y a une raison qui est capable de faire tout lui? Parce que monsieur sont témoins qui vraiment privilégiés. On est capable de dire ça là. On non, pas témoins privilégiés, non, témoins gênants. Bon. Et super gênants. Super gênants, si on est capable de dire comme ça. Et dans le même sens, ça tout, il y a un monde qui dit, est-ce que monsieur pas Saint-Domingue ou si on pas hors auto aux États-Unis? Dans le cas que il vit aux États-Unis, et puis il est capable justement de reballer l'autre face. De faire figuili, faire aller côté, on sait de témoins, qu'on a déménagé en côté, etc. Et qui implication, monde qui t'a caché, gagné un assassinat ça. Habillé son assassinat transnational, côté que plusieurs pays qui envolvent. Et que monde t'a demandé,
pour bas ça tap carolé là cap comploté là depuis des mois qu'ils ont fait des organisations tant qu'on dit CIA, FBI, Ami Intelligence et toute l'autre département d'état gain pour service de renseignement parlé pour dire que yo pas ta connaître tout bas ça là et pas oublier tout nèg kan cavalier même madame Nana Kok yo pas ka joindre aucun côté et depuis au mandé pour témoin qu'on y a annexe aussi tellement caché est-ce que porte prend son plan main et puis qui sur jeune sur hier pas plusieurs agences que parce que côté de ces deux militaires là chaque militaire qui vient il vient avec agent information ni et département renseignement donc c'est ça qui fait que avec satellite cap scrute la terre 24 sur 24 dans tout bon détail qui j'en fait yo pas qu'à joindre côté d'adjoint jusqu'à présent. Bon, Chairman, vous posez une grosse question et moi-même, je vais aller mal faire hypothèse. Je voulais faire comprendre que le complot qui est arrivé de telle envergure qui est arrivé à réussir, côté que vous rentrez avec facilité car un président, pas oublier que vous avez monsieur la police qui n'est pas fait rien. Ou bien monsieur propre sécurité président parce qu'il va faire rien ou bien tout le monde qui peut faire ou pas faire donc ou pas reconnaître qui est-ce qui est en tête complot et qui l'autre qui t'est passé et jusqu'à présent on parlait de série de nèg mettez mandat derrière ou bien que ces mandats ou pas qui y a cherché un tel donc aucun jeu fort au niveau de d'Akaele auxiliaire de la justice là qui c'est la police auxiliaire de la justice là mettez mandat ou pas que la police prend aucune disposition pour te fouiller car on sait des monde puis que si on y a cherché ou pas caché là parce que ou gagne un drone ou gagne tout service de renseignement qu'on parle même en Haïti ou gagne un service de renseignement qui pas arrivé tout protéger ancien président défunt Jovenel Moïse. Parce que pendant que M. Tap travaille, Tap bataille, malgré département américain, département d'État, excusez, gouvernement américain pas tellement dans ses couilles à M. sur question du service enseignement de mété, sur question de l'armée, M. de Bézé mette sous pied, nous te contentons plus fois que, eh bien, notre qui sorti dans le département d'État, côté que même le congrès américain, il y a un congrès, un congressman, il a cité non, il a abdiqué, il même pas d'accord avec le service de renseignement. Donc, est-ce que le service de renseignement, propre service de renseignement, tout, pas dit, est coupable, il a une information, il n'a pas admis au courant. Donc, ça, ce sont des hypothèses, parce que les données, ça n'a pas gagné avec nous. Et moi, je n'ai pas voulu répondre des choses que je n'ai pas gagné, données sous lit. Donc, ça qui est important pour nous comprendre, c'est que M. Félix Badjo, il est noir en Haïti là, parce que pas oublié, et après le crime, non, M. libérise il a rencontré avec M. Ariel Henry. Il faut libérer sa cabine, il y a plus d'informations tout sur ça, si la police sérieuse sur bagaille là, si la justice en général sérieuse sur bagaille là. Ensuite, monsieur, il faut avoir un complice qui peut faire rentrer Saint-Domingue. Nous, c'est que Saint-Domingue, le gouvernement, le président Saint-Domingue, même la défense prisonnier dominicain colombien. Ça, est-ce que bien, le gouvernement de Saint-Domingue a un peu de bagaille parce que Saint-Domingue, son côté, un grand service d'intelligence, son côté, pour rentrer là-dedans, pour rentrer par terre, pour rentrer par avion, il est au courant. Et c'est ça qui fait que c'est donc tellement bon police la dernière, et tellement bon service de renseignement, même tout qui même dépassé tout l'autre pays, même les États-Unis. Eh bien, ouais, c'est le même, c'est tout à détecter une série de bagailles. Tout le monde qui a caché c'est le même pour rentrer au pont. Vous songez à Malade du Clonal, qui est rentré c'est le même, son faux nom. Eh bien, livrer la lamboite d'un coup absolu, la dépense propre. Et puis c'est ça qui fait arriver pour mettre mes solides. Ensuite, il y a tant de peuples encore, et c'est le même qui depuis voulait les remettre. Donc, ça, pour nous comprendre, Félix Badjo, même si tu as fait chirurgie esthétique, l'offre chirurgie esthétique, c'est pour le monde qui va jamais te connaître.
Parce que si j'ai senti qu'il a changé figure, mais il n'a pas changé voix. Il va changer forme corps. Il a là pour l'autre apparence. Et on connaît que les affaires d'investigation criminelle, même quand on a fait une chirurgie esthétique, il modifie le corps, il est arrivé à Kimbel quand même. Parce que, on sait que les empreintes digitales, maintenant, empreintes digitales, on ne peut jamais changer. Il a toujours été le même chat. Donc, tout ça encore, c'est un moyen, ou bien tout, groupe sanguin, maintenant, qui peut changer. Donc, tout bagage, ça a eu un peu tout l'investigation criminelle. Maintenant, sur la même question, Chairman, est-ce que gagnons aussi de l'autre embranchement en Haïti, comme nous voyons que le premier ministre, M. Ariel Henry, qui est un premier ministre nommé, nous avons cité l'honneur qui était là, criminel Badjo. Qui a crié auteur que tout le chef de la police nationale de Port-au-Prince serait-il aussi impliqué dans ce crime? Ça veut dire que si mal comprendre une position, monsieur, en tant que un commissaire gouvernement qui mettait en ordre de yon, qui voulait la justice, qui voulait le juge d'instruction, pour que la décision de M. Ariel Henry, c'est de révoquer le ministre de la Justice et le commissaire du gouvernement et le conseiller. Conseil des ministres, le secrétaire général du Conseil des ministres. Donc, on ne va pas comprendre nonchalance, M. Léon Charles, on ne va pas comprendre silence de ce que Digicel ni DCPJ, d'ailleurs, ils ont utilisé Pierre Espérance en vent pour nous faire bac parce qu'ils ont été mis des zèbres en bouche. C'est Pierre Espérance qui a apporté plainte avec Viva Haïti. Nous pas attendu encore Pierre Espérance sur Bagala. Deuxième bagage encore, automatiquement Digicel est localisé à Pelio, mais Digicel aussi a un pouvoir pour le travail. Ça te dit, les autres ont conversé, parce que ici, quel que soit le A, on ne parle pas, et bien, s'il a fait investigation, il a cherché le sou de parler avec un tel, et bien, il a qu'à avoir audio conversation. Donc, est-ce que Digicel, pour contre les tours, on y a les films bail information, de faire le pré-boucher pour le travail audio conversation? Hein? Tout ça encore, vous trouvez que le commissaire gouvernement, M. Bedford, automatiquement, il a gagné communication qui est faite. Ce n'est pas pour une question d'inviter M. Ariel Henry venir. C'était un mandat pour des décennies derrière M. Ariel Henry. À deviner, M. Ariel Henry qui répond à la question, mais ça, M. Ariel Henry n'a pas pris le temps d'évoquer. Parce que, il peut avoir dit, monsieur, dit, celle, vous, ceci, ben, moi, nous trouvons là encore, c'est commissaire gouvernement Bedford montrer que le fond de démarche, mais c'est pas une démarche qu'il était fait à 100%. Je vais dire tout pour nous, ça, parce que si j'ai confirmation que, il y a un monde qui campe, il dit ouvertement, dans le métier, qu'il va bien parler avec un tel, il va jamais parler à un tel, moi, par au coup, il y a une confirmation, c'est un élément du crime, le fait que M. Baye menti, et ensuite, il est arrivé dans la télévision, il a dit Badjo, c'est pas un nez qu'il connaît, qui t'a fait. Pendant ce temps, il va en parler à Badjo, et puis après ça, il a défendu Badjo publiquement dans la télévision, pour dire Badjo le connaît, hein, il va c'est pas un nez qui t'a fait un crime comme ça. Donc, et puis, où il va dire qu'il n'a jamais parlé avec Badjo après le crime, non? Pendant ce temps, Digicel, compagnie téléphonique, là, vient prouver le contraire. Donc, ça te montre que c'est un assassin qui s'était démasqué. Donc, l'assassin s'était démasqué. Ça veut dire que le commissaire gouvernement n'a pas d'invitation. Tout le monde m'a invité. Il est capable de faire deux bagailles. Dans le cas de M. Ariel Henry, il est capable de déjà jeter, de sauver. Ou bien encore, il a un pouvoir arbitraire de le faire exercer. Il évoque où, il est installé l'autre commissaire, il fait ministre, il évoque ministre, et puis, si deux, trois internationales qui étaient qu'on a fait criminel, il y a quoi avec eux, il était besoin de débarrasser de Jovenel Moïse, il y a toujours pas le support. Quand il y a ça qui a pris la question, c'est parce que nous avons les grands journaux internationaux
aux États-Unis, le Washington Post et le New York Times, ils ont commencé à écrire sur Ariel Henry. Ils ont commencé à avoir un doute sur Ariel Henry, mais semble-t-il que jusqu'à présent, d'après ça, je connais, il est pour parler qu'à fait, il n'y a pas qu'au jeune monde, c'est deux bagailles. Il n'y a pas qu'on l'a dit à Ariel Henry, parce qu'il n'y a pas qu'on fait entendre sur qui monde qui va le passer à Ariel Henry. Et deuxièmement, il n'y a pas vu Ariel Henry sauver tout, pour ne pas rentrer, pour qu'il rejoigne comme élément qui l'enquête là. Donc, il a quitté toujours, il a ballon support, molasse, pour capable toujours été sur place, pour ne pas être sauvé. Mais cependant, le commissaire gouvernement a déposé pour moi-même mon erreur grave. Lorsque il a gagné tout élément de preuve sur la main, il n'a pas passé au bas juge d'instruction. Il a passé au bas juge d'instruction, puisque l'affaire était déjà à la main d'un juge d'instruction, mais tout élément, monsieur Vigny, il était supposé passer au bas juge d'instruction, ou bien encore, en tant que ministère de la Justice, c'est ça, monsieur son représentant de l'État haïtien, en tant que commissaire gouvernement, monsieur était supposé voir un mandat d'amener par monsieur Ariel Henry pour premièrement mentir publiquement, parce qu'il y a autre jour pour la télévision. Et deuxièmement, côté que le digicel démentit monsieur parce que appel téléphonique il a enregistré, qu'on y a là, les monsieur Tavalé. C'est l'essal d'après avocat, il vient de défendre, si pour ta la gueule, il y a la gueule. Mais maintenant, l'essal tape déjà, la prison, il tape déjà comme suspect, parce que tout le monde vient comme suspect. Vous voyez ici, depuis un pays suspect, où il débarque la carreau, parce qu'il y a une preuve, la meilleure, ou vient la meilleure, ou pas qu'à sauver. Et ça, me d'accord avec pas. Ok, donc, la vérité là. Pas de problème. À la prochaine. À la prochaine. Bon week-end. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous, son babes à chercher pour. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin ou matinée.